Il y a très peu de femmes dans le domaine technologique, IT en général, dans la société, et je pense dans toutes les sociétés. C'est quelque chose de dommage parce que je pense que le fait d'avoir aussi bien des hommes que des femmes, ça aide beaucoup. Ça permet d'avoir des points de vue différents. Les caractères des hommes et des femmes sont relativement différents. L'approche par rapport au travail est différente. Et la mixité, ça apporte vraiment un plus. Maintenant, il n'y a pas de secret. Si on regarde aussi dans les universités, dans les domaines technologiques, il y a beaucoup moins de femmes. Donc forcément, c'est plus difficile d'en recruter après dans les départements, dans la société. J'ai jamais été de l'autre côté, donc je ne sais pas si je fournis plus d'efforts en étant jeune et une femme que quelqu'un d'autre à ma place. Maintenant, je dirais, entre les deux, peut-être ce qui a le plus d'impact, c'est l'âge plus que le sexe. Parce que quand tu es plus jeune, tu as un peu plus à prouver en fait, aux autres. Ils vont plus facilement remettre en question en fait, ce que tu dis. Donc voilà, tu dois redoubler d'efforts pour prouver que tu as raison. Encore une fois, je pense que c'est difficile à dire parce que je ne suis pas de l'autre côté de la barrière. Voilà, je n'ai pas vécu les deux. Je pense qu'il y a effectivement un petit comportement différent entre si c'est une femme qui interagit avec moi ou si c'est un homme. Particulièrement, justement, si c'est une femme qui travaille dans le monde IT. Je pense qu'il y a un petit peu plus de solidarité féminine. Maintenant, je pense que ça ne change pas énormément grand-chose. Hein. Ça dépend des personnes, je pense. Oui, ça permet d'avoir un point de vue différent et de se challenger soi-même, de réagir différemment, parce que ce n'est pas juste une question de personnalité entre les personnes. Je pense qu'il y a une manière de fonctionner différente entre les hommes et les femmes. Et dans ma vie personnelle, ça m'aide aussi, évidemment. J'ai des conseils pour les femmes qui voudraient rentrer dans le domaine tech, c'est tout simplement d'essayer, parce qu'au final, la barrière, ce n'est pas tellement d'être une femme par rapport à un milieu masculin, c'est soi-même qu'on se met des barrières. Il n'y a pas vraiment de limitation à travailler en tant que femme dans les domaines tech, il faut juste oser. Savoir interagir avec les hommes, c'est pas si difficile, ils sont faciles à comprendre, parfois plus faciles que les femmes.